Les gens attendaient vraiment la distribution. Oui, oui, il n'y a pas d'eau, c'est dramatique là, oui. Ça devient crucial. Quelle est la situation sanitaire là? Pas d'eau, donc pour les toilettes, pour tout, pour les poubelles, il n'y a rien. Comment se comportent les gens? Il y a un mouvement de solidarité? Comment ça se passe? Oui, les gens se portent secours les uns les autres, se donnent un coup de main pour mettre des planches, pour débarrasser, pour nettoyer. Hier, on a nettoyé la rue ici, par exemple. Donc, c'est pour ça il y a de la solidarité, oui, il n'y a pas de souci. Savoir votre nom, votre prénom, s'il vous plaît? Oui, alors Gilbert Luc. Luc, c'est le nom. L-U-C? Oui, absolument. Et vous êtes? Professeur documentaliste au collège de quartier d'Orléans. Oh, c'est ton premier point de distribution, là? Oui, c'est ça, le premier point de distribution sur le quartier d'Orléans au niveau de l'école. Donc, on a livré environ une cinquantaine de repas un petit peu éparpillés, du lait, du cassoulet, du riz et de l'eau. Et après, vous avez les plus gros pour faire des réchauds, et tout comme ça. Allez-y, monsieur, s'il vous plaît. Hop, allez-y. Allez-y. Merci. Très dur, hein. Voilà. Très dur. Hein. On venait à peine d'arriver. Et... L'eau manquait beaucoup pour vous? L'eau, oui, énormément. Énormément. On se lave avec l'eau de la piscine qui n'est plus très propre, mais enfin bon. Et pour les toilettes, c'est l'eau de mer. Voilà. Pour l'intérieur? Ouais. Merci beaucoup. Merci. Là, on tourne et puis on distribue à d'autres. Un par personne. Oui, je prends pour là-bas, tout chez moi. D'accord. Il n'y a pas de tricherie ici. On partage tout. Le stock est vide, oui, on l'a tout distribué ce matin. Visiblement tout le monde n'a pas eu, non, encore? Bah non, quand on voit, il y a plein de monde qui arrive encore. Donc on va faire le plein au port de Galice Bay et puis on est reparti pour distribuer. J'ai juste marqué les palettes.